It's raining three. Où est-ce que je suis là? Oh oui. Espèce de lémurien trisomique. Ah, bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien du French Grenier, comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Vous le savez pas encore, mais avant de démarrer ma vie de tireur sportif arme à feu, j'étais tireur à l'arc. J'ai commencé très très tôt, aux alentours de 7 ans je crois, avant même. J'ai continué jusqu'à l'âge de 18 ans, donc j'ai fait 10 ans de tir à l'arc, pas mal de compètes et tout. Et puis bon, je me suis arrêté encore une fois à 18 ans, j'en ai 30, ça commence à faire quelques années que j'ai pas retouché à un arc. Donc moi j'étais en recurve, classique, compète, c'est-à-dire le stabilisateur de 2 mètres de long, le machin, le bidule, la bestiasse devait faire 5-10 kilos à elle toute seule, bref, voilà. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai rentré ça. Voilà, c'est un arc à poulie Décathlon. J'ai absolument pas tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire j'ai pas le déclencheur, enfin voilà, je sais à peine comment ça fonctionne. Je suis infoutu de vous dire comment ça se règle, comment machin, comment bidule. Et très franchement, je m'en bats les steaks. Voilà. Mais ça me fait rigoler, donc on va essayer. On va surtout voir si je suis plus ou moins mauvais, ou plus ou moins bon. Ça fera une occasion de faire une vidéo un peu différente, voilà. Mais c'est un Acapulco, ça sert à ça. Donc je me suis collé une cible, donc là je dois être à... je sais pas... 17, 20, 22 mètres, j'en sais rien. Je me suis collé une C50 parce que j'ai rien d'autre. On va voir, hein. Si je fais un trou dans le tonneau, écoute, je fais un trou dans le tonneau, et puis voilà. Alors, il est absolument pas réglé, hein. J'ai encore jamais tiré avec, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Enfin, si je sais que là, il y a une visette, et que faut à peu près prendre je sais pas quoi. On va voir, j'ai une clé Allen pour régler, au besoin. On va prendre la première flèche qui vient. Puis écoute. Voilà. Hein, c'est plus pour le fun qu'autre chose. Donc comme je vous dis, normalement les tireurs à poulie ont là un petit instrument là, qui sert à lâcher. J'ai pas. Donc je vais faire sans. Hein, je vais faire à la bonne vieille méthode, hein, comme j'avais l'habitude moi. Je sais absolument pas quelle puissance il fait, non, enfin, vraiment je sais rien. Je sais pas si c'est marqué quelque part, peut-être. XT31-1. Est-ce que ça ferait 31 livres? Je sais pas. Encore une fois, j'ai jamais tiré à l'arc à poulie. C'est la première fois, là. Je sais pas ce que... Je sais pas à quoi sert quoi. Bon, ça c'est un stabilisateur, je le trouve vachement court. Mais puis vachement creux en plus, donc je vois vraiment pas l'intérêt, mais ok, pourquoi pas. On va voir. Allez, on va essayer. J'espère que l'angle de la caméra est bon, enfin pas trop mauvais. Waouh, ok. Je suis censé viser comme ça. Je vais essayer d'éviter de m'égratigner le bras. Je ne sais. Je sais rien, moi. Je sais pas où je suis réglé. Bon, allez, je prends celui du milieu. Ok, je suis complètement à droite. J'ai dû bousiller la flèche, mais je m'en... Franchement, je m'en bats les steaks. C'est vraiment, vraiment pas la mort. Ok. Donc, je suis très, très à droite. Alors, comment ça se règle, cette merde? Comme ça, je suppose. Je devrais pas le faire avec une flèche dessus. Mais bon, c'est pas la mort. C'est pas comme si c'était une arme chargée non plus. Attends. On va voir, je sais pas comment c'est gradué. Et c'est pareil, je suis un peu haut. Voilà. Allez, on essaie à nouveau. Waouh, et c'est. Waouh. C'est particulier, hein, quand même le. C'est moi où j'ai mis. Et c'est où la flèche? Ok, la réponse c'était dans le pare-balles et elles sont bien déglinguées.
Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est pas grave du tout. J'en suis pas une flèche près. Alors, attends. Alors, du coup, il faut que je règle ça, mais de la violence, là. C'est rigolo, c'est marrant, ça fait pas de bruit, on n'a pas besoin de casque. Allez, réessayons. Surtout que, bon... Comme j'utilise systématiquement des flèches de poids différents, parce que je pioche là-dedans comme si j'en avais rien à carrer, probablement parce que j'en ai effectivement rien à carrer. Voilà. Bonjour, flèche. Donc j'étais encore trop haut. Mais cette fois, bien au centre. Oui, je vous dis que j'ai pas forcément besoin de lunettes, mais ça va peut-être devenir le cas bientôt. Oh, sa merde, ça c'est, hein. Ok. Surtout que pour ne rien vous cacher, depuis que j'ai arrêté étant gamin, bah, j'ai plus tout à fait les muscles faits pour. Ok. Alors, la question, c'est... Alors, je suppose sincèrement que, comme tous les tireurs à poulies que je connais ont effectivement un déclencheur, là, je suppose que le fait que je tienne la corde, ça doit pas aider à la précision. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai pas. J'en achèterai peut-être un, mais là, pour l'instant, j'ai pas. Ah ouais... Il faut que je vise... Il faut que je vise très très très. Plutôt, il faut que je contre-vise très très très. Oh, et une flèche cassée. Une ! Alors, me serais-je trompé ? Ok. C'est quand même un peu n'importe quoi comme sport, tu m'étonnes que j'ai arrêté. Ok, donc là j'ai trop réglé. Alors pour ne rien vous cacher, moi j'ai jamais été de ce genre de tireur. Vous voyez ça là, ça sert à ne pas mettre de pression sur votre poignet et donc à retenir l'arc sur votre poignet quand vous allez lâcher. Parce que fatalement, si vous ne mettez pas de pression, bah, vous ne le tenez pas, donc au moment du départ du coup, il tombe. Tombe vers l'avant. J'ai jamais été de ces tireurs qui utilisaient ça, parce que, je sais pas, moi, lâcher mon arc, ça me... Bof. Ça me plaît moyennement. Donc là, je suis toujours un peu haut. Voilà, donc je vais continuer quand même sur à peu près les mêmes flèches, même si j'ai pas forcément les mêmes pointes à chaque coup. Je dois vraiment avoir des flèches beaucoup, beaucoup plus légères les unes que les autres. Parce que le fait qu'il y ait autant de différence... Oh, putain. Ouais. Effectivement, j'ai quand même pas mal perdu. J'étais vraiment pas mauvais, hein, à l'époque. Je me classais très bien, quand même. Je me classe pas trop mal, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, autre temps, autre mœurs, hein, là, c'est... Là, je sens que ce soir, je vais avoir le dos éclaté. Wouh ! Putain. Ah, petit... tout petit. Ça va. Alors, je remarque quand même un truc, c'est que les tiroirs à poulies... Encore une fois, je ne sais pas du tout à combien de livres je suis. Mais si c'est 30 livres, comme je le pense, j'ai vraiment pas l'impression de tirer 30 livres. Hein. Ça démultiplie quand même pas mal. Mais bon, c'est le principe. C'est de la grosse triche quand même. Et puis, bon, tous ceux qui ont fait du tir à l'arc connaissent la blessure par ripage ici. C'est-à-dire la corde qui frotte à l'arrivée. Bon, ça nous est absolument, absolument tous arrivé, c'est normal, naturel. My titty. Alors, je change de flèche.
Je passe sur des je sais pas quoi, mais probablement des Decathlon aussi. Mais plus courte, moins mastoc, et avec des plumes plastiques. Monobloc. Alors, je vais essayer de reprendre la même visée. Ah, celle-là, elle compte plus bas. Alors, est-ce que par le plus grand des hasards, celle-ci serait plus lourde? C'est pas super logique, mais ok. Putain, mais je comprends pas. Y a des trucs que je comprends pas. Pourquoi est-ce que ces flèches-là font ça? Se barrent tout d'un coup. Alors peut-être que mon lâcher est pas régulier non plus, hein, mais... C'est marrant. Franchement, c'est rigolo. J'aime bien. Finalement, je vais peut-être m'y remettre. Alors c'est marrant, celles-ci, elles ont des grosses pointes. Je sais pas... Enfin... Ce que je sais déjà, c'est que je vais passer 4 heures à essayer de les retirer du bidule, là. Ça, je le sens, mais gros comme une maison. Ouais. C'est marrant. Je sais pas si ça va vous plaire, mais je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Ça, je le fais aussi pour moi. Ce que je sais, c'est que effectivement, définitivement, je suis... Enfin, j'ai beaucoup perdu, quoi. C'est pas tout à fait comme le vélo. Et celles-ci, elles font de nouveau n'importe quoi. Ça me change. Un jour, il faudrait que je vous ramène mon arc à moi, qui est resté chez ma maman. Sincèrement, mon arc à moi, je suis même pas sûr de pouvoir le tendre à nouveau. Tellement il était dur, mais à l'époque, j'étais beaucoup plus bof que maintenant aussi. Enfin, bon, bref. Bon, allez, on s'en fait encore deux, parce que je sens bien que ça va pas être passionnant pour vous. Bien à gauche, j'ai dû foirer un peu mon lâcher. Yes, trop. Bon, c'est pas grave, mon truc ressemble à un putain de hérisson, mais pff, allez, c'est pas la main. Disons que c'est drôle que cet arc me... Bon, pff, ouais, c'est une merdouille Decathlon, mais tu sais quoi, ouais, je vais le garder. Ça me déplaît pas. Foncièrement, ça me déplaît pas. Voilà, et bien écoutez, ça a été un grand plaisir de faire cet épisode d'Acapulco. Je vais passer 6 heures à retirer les flèches de là-bas. J'en ai cassé quelques-unes, forcément le pare-balles métallique, ça leur fait pas des masses. Bref, si vous voulez voir plus de Robin des Bois, et ben dites-le. J'en ferai peut-être. Allez, amusez-vous bien, mangez des légumes et de l'eau. Ciao !